Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous le voyez, on se retrouve une fois de plus sur Dragon Quest Builders 2. Mais cette fois-ci, vous le voyez, appuyez sur A pour commencer, le jeu est en français. Donc j'ai décidé de faire la démo, puisque de toute manière, les données de la démo seront directement transmises normalement à la version définitive du jeu qui sortira donc le 12 juillet. Je me tâterai presque à faire un personnage féminin étant donné qu'on a fait un personnage masculin dans la version japonaise. Je vais regarder un peu les physiques et en fonction je verrai, mais visiblement on peut pas changer la coupe donc en fait je pense pas, non, on va rester sur un mec. On va faire un truc un peu loufoque. J'avais les cheveux de cette couleur là la dernière fois. Là... Ou alors on fait simple, je sais pas. Parce que les couleurs sont pas très très classe, je trouve. Ça me plaît quand même bien ça. Allez, on va faire ça. Les yeux. On va faire plutôt un bleu classique. Mais ouvre les yeux. Ouais, voilà, comme ça. Et c'est bon. Au niveau du nom, qu'est-ce que je pourrais mettre Allez, on va changer de mes habitudes. On va l'appeler... Aquila. Ok, on est bon. Vous pourrez modifier l'apparence, le sexe et le nom de votre personnage lorsque vous aurez suffisamment progressé dans le jeu. Oui. Ok, donc là on peut modifier les paramètres de jeu. Regarder en haut, en bas, courir, monter. Ok, changement d'outil, déplacement de la caméra. Bon après c'est classique, normalement c'est comme nous. Connexion au réseau, non pas spécifiquement. Afficher contour du personnage, ok. Vibration, oui. Ajustement de la caméra, oui. Rotation, taille des icônes. Style de mini-carte, rétro. Ou minimaliste. J'ai bien envie de vérifier tout à l'heure la minimaliste. Rotation. Bon, la musique, voilà, classique. Luminosité, ok. Vitesse message, on peut mettre rapide. J'aime bien quand c'est rapide. Transparence de l'eau. Moyen, on va dire. Non, on va rester faible. Voir l'eau à travers le verre. Oui. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Il me semble qu'on voyait pas l'eau à travers. Maintenant, on pourra la voir. Et ça aussi. Ok. Du coup, on va démarrer. On va enfin pouvoir se plonger dans l'histoire et le scénario de ce deuxième épisode. Franchement, j'avais hâte. Alors, je vous lirai peut-être les dialogues, mais en revanche, je suis pas comédien, donc ne vous attendez pas à un jeu d'acteur. Ce sera de la lecture pure et dure. En avant, mes enfants, détruisez tout sur votre passage. Donc ça, on imagine que c'est le boss de fin qui parle. Le boss de fin qui, entre parenthèses, est Malroth, normalement. Et bizarrement... Il me semble que c'est notre coéquipier qui peut aussi s'appeler comme ça, mais bon. Suivant les ordres du grand prêtre Chaos, ses serviteurs du chaos avancèrent, rang après rang, pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le cœur des humains. Notre père impie abandonna sa forme humaine pour que Malroth, le maître de la destruction, puisse renaître et que le monde soit consumé par les fléaux. Hélas, le puissant Malroth fut vaincu par l'ignoble engeance d'Elric avant que le glorieux dessein de Chaos se réalise. Et c'est marrant parce qu'il me semble que dans la version japonaise, il parlait du sang de Roto, donc Elric finalement. Mais là, il parle pas du sang, il parle juste du héros. Donc il y a déjà de la perte au niveau de la traduction.
Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique. La paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Dites-moi, mes frères et sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé? Il mord, bien sûr. Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Hourra, hourra, vive Chaos, loué soit Malroth. Ô Père démoniaque, écoutez notre prière, délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Guidez nos pas pour que nous bâtissions votre royaume des ténèbres. Et voilà, Dragon Quest Builders 2. Ça fait plaisir. Akila. Tu es le héros qui sauvera ce monde. Debout, mon enfant. Ta destinée t'attend. Hé. Tu verrais ta tête, je te taquinais, mon enfant. Tu n'es pas un héros. Je le sais bien. Tu es un de ces bâtisseurs, n'est-ce pas? Non. Hé, tu racontes des cracks. Je sais de source sûre que tu es un bâtisseur. Alors arrête ton numéro. Enfin, au moins, tu n'es pas un maître bâtisseur. Tu n'as encore qu'un apprenti, mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi. Quand tu auras les yeux en face des trous, monte me retrouver sur le pont. Ok, bon, je pense qu'on sait se déplacer dans Dragon Quest, hein. J'y ai joué un paquet de fois pour le savoir. Bon, on va direct aller dans le cœur du sujet, hein. On sait ce qu'on doit faire, donc on va y aller. Je vois que tu ne crains pas les marches, rien ne t'arrête, on dirait. Bien, comme tu l'as sûrement remarqué, nous sommes en pleine mer. Tu n'as aucune chance de t'enfuir, alors pas la peine de tenter le diable. De toute manière, tu n'iras pas bien loin, tu n'as que la peau sous les os. Tiens, goûte-moi ça, ça vient tout droit de la table du capitaine. Ma table, en gros. Akila ne sait pas à quand remonte son dernier repas. À la simple évocation de nourriture, son estomac se met à gronder. Ok. Et voilà, une quête déjà de validée. Allons, ne prends pas cet air apeuré. Je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite. Tant que tu es en vie, je te laisserai l'occasion d'en profiter. À condition que tu suives mes ordres à la lettre. Quoi? Tu veux savoir qui nous sommes et ce que tu fais ici? Si tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es, je te conseille d'aller parler à ces 5 monstres sous le drapeau là-bas. Tu ne serais pas cet apprenti bâtisseur qu'on a capturé à Canteline? Mais non! Donc c'est vraiment une suite directe. Puisque Canteline, je vous rappelle, c'est la première ville qu'on voit dans le premier épisode de la série. Je dois avouer que j'ai de la sympathie pour toi. C'est vraiment pas drôle d'apprendre que sa fin est proche. Pros. Tiens, tiens, ça ne serait pas Monsieur le Bâtisseur. Tu n'es qu'un apprenti, mais tu te pavanes comme si tu étais chez toi ici. Franchement, impossible de faire un pas sans croiser un bâtisseur insolent. Bien décidé à défaire notre travail ces temps-ci. Le monde va disparaître, c'est certain. Nous n'avons pas le choix. Nous devons éliminer les bâtisseurs zénants. Un par un. Arch ! Ce bâton n'arrête pas de tanguer de droite à gauche. Je sens que je vais être malade. Alors que le machin, il vole dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux savoir vers où on navigue ? Aucune idée. Les gros bonnets n'en parleraient jamais à un pauvre petit vampivole comme moi. Bonjour Glumin, Slurp. Nous sommes les derniers survivants des héritiers de Chaos, ceux qui n'ont pas fini piétiner. Nous allons faire plier ce monde au nom du superbe et glorieux, pas facile à dire, grand prêtre. Pourquoi je fais autant de bruit? C'est parce que je salive à l'idée d'écraser tous les Glumins pour de bon. Slurp, slurp, slurp. Medievand, Canok, Ruisselune. C'est de ces trois royaumes
que viennent les horribles héros, les descendants d'Alric, ceux qui ont vaincu le puissant chaos. Dans un dernier souffle, notre chef abandonna sa forme mortelle pour que Malroth, le seigneur de la destruction, puisse naître. Hélas, lui aussi fut vaincu. Mais est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir ? Non, les ambitions de Chaos n'ont pas disparu à sa mort. Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte. Et voilà. Je ne dirai pas ce qu'il va nous dire là, ce qu'il va nous dire bravo, t'as réussi, blablabla. Bon, là, il va nous demander, grosso modo, de réparer le navire en obtenant du bois, je suppose. Voilà. J'ai raté le bouton. Alors, pour ceux qui verraient cet épisode sans avoir vu les autres épisodes, sachez que j'ai fait la version japonaise du jeu qui est encore actuellement en train de sortir. Donc si vous êtes intéressé par voir un peu ce que vous allez voir dans l'aventure, n'hésitez pas à aller voir un coup d'œil. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'à partir du 12 juillet, voire peut-être avant, le let's play de la version française commencera de toute manière. Ok, on passe à ses quêtes à lui. Bon, c'est classique, de toute façon, il va falloir reboucher les trous à un moment donné, il va falloir mettre les torches, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Ok. Et la dernière, c'est où ? Là-bas. Alors sachez que je ne passerai pas le texte aussi vite une fois qu'on attaquera le vrai let's play. Là, je le fais pour aller plus vite dans le vif du sujet parce que cette phase sur le bateau est assez longue à passer en fait. Et j'aimerais la terminer en un épisode. Sachez également que le titre de cet épisode sera Let's Play numéro 1. Pourquoi pas des mots, parce que de toute façon, Ah ouais, d'accord. La version finale, je pourrais transférer mes sauvegardes dans la version finale, donc au final, autant marquer Let's Play direct. Première arme, le bâton de cyprès. Grand classique des Dragon Quest. Go, 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 go. Ok, on s'en équipe et on va défoncer le type.
Il aura même pas eu le temps de m'attaquer. Ok. On repart par là. Ah ça y est, là ils vont me demander de reboucher, je pense, les trous. Ah non, d'abord je crois qu'il faut ranger les tonneaux. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens quand même. Et le dernier. Voilà. Du coup, on peut rendre la quête au capitaine. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise. Hein. Toutes mes excuses, petit, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules dès maintenant. Je te taquine. N'aie pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête, enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelot. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rejoindre mon équipage? Ne dis rien. Je vois bien que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander quelque chose. Un apprenti bâtisseur. Tu feras l'affaire. À toi de créer ce monde ou de le détruire. Maintenant, approche, mon enfant. Ça y est, on est enfin dans le vif du sujet. Ok. Va falloir réparer les trous. Bon là, on va avoir pas mal de trous à réparer, je vous le dis.
Eh oui. Voilà. Mais c'est pas fini. Ok. Donc on a encore 3 trous à reboucher. Et ça sera les derniers qu'on rebouchera. Voilà, c'est terminé. Lui, il va s'en aller, je suppose. Et nous y voilà, on vient de se plonger dans le monde de Dragon Quest. Fabuleuse cinématique, vous me direz. On arrive enfin sur l'île considérée comme le mode libre, si vous voulez. Puisque, je le rappelle, nous sommes dans le monde de Dragon Quest, parsemé de plusieurs îles sur lesquelles se dérouleront les différents chapitres. Et donc, sur celui-ci, il n'y aura pas de chapitre, ce sera en fait l'île principale sur laquelle on peut construire ce qu'on veut. Sur laquelle on ramènera des villageois et vraiment l'île peut-être la plus importante pour certains. Les chapitres se passeront eux sur d'autres continents mais accessibles depuis cette île. Ok, d'accord. D'accord. Donc, en gros, il m'explique qu'à partir de ce point, ce que je ferai sur l'île ne sera pas récupérable dans le jeu définitif.
C'est-à-dire qu'on a passé l'introduction qui fait ce premier épisode et on va donc s'arrêter là. Il n'y aura probablement pas de scénario à partir d'ici. Ou en tout cas il y sera, mais il sera réinitialisé. Quoi qu'il en soit, c'est pas perdu puisqu'on a fait un épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, n'oubliez vraiment pas, puisqu'on continuera à partir d'ici même pour le prochain épisode qui sortira donc au plus tard le 12 juillet, mais au mieux peut-être un peu en avance, étant donné que le jeu sort un vendredi, je peux l'avoir un mardi ou un mercredi. Voilà, allez, bye bye.